Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à modifier la couleur des dossiers de l'explorateur de Windows, donc sous n'importe quelle version de Windows, à partir de Windows XP jusqu'à Windows 8. Nous allons donc apprendre à modifier la couleur des dossiers qui s'affichent sur l'ordinateur. Ce tutoriel vous permettra notamment de personnaliser Windows, mais également de vous repérer. Si par exemple vous avez plusieurs dossiers regroupés par thème, vous pouvez très bien les regrouper selon un thème, par exemple travail ou encore loisir, ce qui peut être assez pratique si vous utilisez beaucoup de dossiers dans votre quotidien. Donc tout d'abord, vous allez télécharger le logiciel Folder Colorizer, donc qui va venir modifier l'explorateur de Windows. Voilà, ce logiciel est gratuit, le lien sera dans la description, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et nous allons donc maintenant l'installer après le téléchargement de ce logiciel. Double-cliquez dessus, tout en ayant les droits d'administrateur. Et nous allons donc pouvoir l'installer. Donc une fois que vous arrivez sur cette page, vous acceptez donc tout ceci. Voilà. Cliquez ensuite sur Customize. Voilà, vous pouvez enlever le tutoriel ici. Et cliquez ensuite sur Install Now. Et nous allons donc installer Folder Colorize. Donc nous allons tout de suite l'essayer après son installation sur un dossier test que je vais créer dans ce répertoire. Donc vous allez voir que c'est vraiment très simple. Alors ça, je vais le fermer, c'était une double installation. Voilà, et donc nous allons pouvoir tout de suite essayer ce logiciel en faisant un nouveau dossier. Cliquez droit nouveau, dossier, et cliquez, je vais le nommer test par exemple. Et vous allez voir que si vous faites un clic droit dessus, vous avez un nouveau petit bouton qui s'affiche ici, Colorize, qui va donc vous permettre de colorier votre dossier, par exemple en rouge ou en bleu. En bleu par exemple. Patientez un petit peu, les changements vont avoir lieu. Et voyez que votre dossier a été transformé en bleu. Ce qui est assez pratique, vous pouvez également restaurer sa couleur originale. Cliquez sur Color, Restore Original Color et vous pouvez voir que vous avez le dossier Windows qui va revenir par défaut, voilà, comme ceci. S'il y a une couleur qui ne vous convient pas dans la liste qui s'affiche, vous pouvez toujours la personnaliser. Voilà, donc ça c'est de la publicité par exemple. Hop. Une fois que vous aurez donc tous vos dossiers et que vous souhaiterez par exemple modifier la couleur d'un dossier, cliquez sur Colors. Donc, vous aurez ensuite le choix de personnaliser votre couleur d'affichage. Par exemple ici, vous pouvez choisir la couleur, voilà, ce que vous voulez. Hein. Je vais créer une couleur au hasard pour l'exemple. Par exemple, voilà, comme ça, c'est pas mal. Cliquez sur Add Color, voilà, et la liste sera complétée. Vous pourrez donc à présent fermer ce petit soft et cliquer sur Colorize et cliquer sur Light Violet, vous voyez, que je viens de créer. Et vous voyez que les changements ont tout de suite lieu. Voilà, ce qui peut être vraiment très pratique pour vous repérer dans vos dossiers ou simplement personnaliser vos dossiers et donner un petit peu de couleur au vieux dossier jaune de Windows. Voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura servi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels sur ma chaîne. Allez, à très bientôt.